Bonjour, c'est Amélie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de sophrologie. Installez-vous confortablement, un coussin sous les genoux si vous restez allongé, ou peut-être entre vos genoux si vous préférez vous installer sur le côté. Dans cette séance, on va découvrir vos ressources de sérénité. Laissez-vous guider, je vous ferai penser à un mot, un geste et une image qui symbolisent pour vous la détente et la sérénité. Vous pouvez commencer à imaginer maintenant quels seront votre mot, votre geste, votre image, ou vous laisser porter au cours de la séance. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant toute la séance. Vous pouvez prévoir un carnet et un crayon pour noter vos impressions, les images, les pensées qui seraient venues pendant la séance, peut-être les réactions de votre bébé. Je vous souhaite un très bon moment. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche et vous serez informé dès qu'une nouvelle séance de relaxation sortira. À très vite. Je m'installe confortablement pour cette séance où je prends ce temps pour moi et mon bébé, pour la détente, la relaxation et pour découvrir mes ressources de sérénité. À mon rythme, je laisse mes paupières se fermer. Je prends bien tout l'espace dont j'ai besoin. Et si j'éprouve le besoin de changer de position durant la relaxation, je le ferai très lentement. Je décide intérieurement de rester à ce niveau sophro-liminal, attentive et à l'écoute pendant cette relaxation. Mon corps et mon mental vont se détendre et ma conscience sophronique va grandir. Si des stimulations sonores se présentent de l'extérieur, je les accueille et je les intègre à ma détente. Maintenant, je me relie à ma respiration, à ce souffle qui entre et qui sort par mes narines. J'amène mon attention au niveau des points de contact de mon corps avec le sol et j'installe ainsi de belles racines à chaque point d'appui. Depuis le sommet de ma tête jusqu'au bout des orteils et je les remplis de lumière. Ces racines me relient à la terre pendant toute la relaxation. Je les active plus intensément lors de l'entrée en relaxation et puis lors de la reprise. Je prends le temps de sentir où se place ma respiration naturelle, peut-être plus au niveau du ventre, vers mon bébé, ou plus dans le thorax, près du cœur. Je vais maintenant effectuer quelques respirations complètes. À chaque inspiration, je me nourris de l'oxygène de l'air et de tous les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines de la terre qui sont bons pour moi et pour mon bébé. À chaque expiration, je laisse sortir par mes racines toutes les tensions, les préoccupations du quotidien. Je les laisse sortir dans cet air qui part loin de moi. Je les confie à la terre qui va les transmuter. À chaque inspiration, je laisse monter en moi les énergies maternelles de la terre et j'en imprègne chacune de mes cellules. Puis lentement, j'amène mon attention sur le sommet de ma tête et je sens la détente glisser le long de mon visage.
visage et de mon cuir chevelu qui est souple. Mon visage est calme et détendu. Mon front est lisse. Les petits muscles autour des yeux et derrière les yeux se relâchent progressivement. Mes tempes sont souples. L'air entre et sort délicatement de mes narines. Mes joues sont molles. En contact avec l'air à l'extérieur. En contact avec ma bouche à l'intérieur. Mes mâchoires sont desserrées. Ma langue repose naturellement dans ma bouche. Mes lèvres peuvent être légèrement entrouvertes et mon menton s'alourdit jusqu'aux oreilles. Mon cerveau est détendu, comme si c'était un muscle. Cerveau droit, cerveau gauche, les deux côtés en même temps, à l'intérieur de ma boîte crânienne. Si des idées ou des pensées se présentent, je les laisse passer ou je les relie à de légers nuages qui s'éloignent, s'estompent et disparaissent pour laisser la place à un grand ciel bleu, un soleil lumineux. Je détends maintenant les muscles de mon cou et de ma nuque et toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Je détends mes épaules. Elles sont comme aimantées par le sol. Et la vague de détente se prolonge dans mes bras, jusqu'aux coudes, aux avant-bras. Je dénoue les ligaments de mes poignets et les mains jusqu'au bout de mes doigts. Je sens mon thorax qui s'apaise, qui s'épanouit. Mes poumons respirent amplement. Mon cœur bat régulièrement. Mon dos est largement étalé sur le sol. Mes côtes se détendent. Et tous les petits muscles entre les côtes se relâchent eux aussi. Ma colonne vertébrale est souple et fluide. Et tous les muscles de part et d'autre de ma colonne se décontractent maintenant. Mon diaphragme se détend. Au niveau de l'estomac, le plexus solaire s'ouvre naturellement. J'aborde maintenant mon ventre par la détente de la large ceinture musculaire abdominale. Tous les organes à l'intérieur de mon ventre sont souples et toniques à la fois. Et mon bébé bénéficie de ma détente. Tout son petit corps est détendu. Assouplissement de la région lombaire. Détente
de mon bassin, de mon périnée, de mes muscles fessiers et de mon vagin. En haut de mon vagin, mon col de l'utérus est long et fermé jusqu'au 9e mois. Mon utérus est le nid douillet, le cocon natal de mon bébé. Le placenta relie mon corps au sien. Je relâche les articulations de mes hanches et l'onde de relaxation s'enroule maintenant autour de mes jambes, détendant la face interne de mes cuisses, leur face externe, mes genoux qui s'assouplissent, mes mollets, jusqu'à mes chevilles qui se délient, se décontractent, et mes pieds, mes plantes de pieds se détendent jusqu'au bout des orteils. Je vais maintenant relier tous ces lieux de mon corps pour ressentir mon corps dans son unité, dans sa globalité. Je vis bien tout le corps. Tout le corps. Et je vais maintenant laisser grandir ma vigilance et mon attention afin d'être bien présente à la mémorisation cellulaire qui va suivre. Je me prépare ainsi à découvrir de nouveaux outils qui vont me connecter à mes ressources de sérénité. Sérénité que je me donne à moi-même, sérénité que j'offre à mon enfant. Je porte mon attention sur mes deux mains et sur une expiration profonde, je fais avec mes deux mains un geste qui évoque pour moi la ressource sérénité. C'est peut-être poser les mains sur une partie du corps, réunir deux doigts, ou placer les mains en ouverture. Je fais ce geste qui symbolise ma détente profonde. Et toutes mes cellules mémorisent cette ressource associée à ce geste. Je vais maintenant prononcer intérieurement le mot sérénité ou calme. Ou un autre mot, plus personnel, et qui évoque pour moi la sérénité, le calme et la paix que je vis en ce moment. Et j'écoute la résonance de ce mot en moi. Ce sont toutes mes cellules qui mémorisent ce mot. Cette ressource. Je laisse venir sur mon écran mental, à mon esprit, une image qui symbolise le calme, la paix, la sérénité. Sérénité que je me donne à moi-même, sérénité que j'offre à mon enfant. J'observe cette image, je la ressens, je la mémorise sur mon écran mental,
et la diffuse dans tout mon corps. Toutes mes cellules mémorisent cette image, cette ressource. Je respire calmement. À chaque inspiration, je ressens intérieurement mes gestes, mots, images de calme et de sérénité. J'inspire et j'accueille le calme, la paix, la sérénité. À chaque expiration, je ressens intérieurement mes gestes, mots et images de calme et de sérénité. J'expire et j'offre le calme, la paix et la sérénité. Je vais maintenant refaire toutes mes ressources de sérénité en même temps. Sur une expiration profonde, je refais mon geste sur une ou deux mains. J'entends, je prononce mon mot de calme et de sérénité. Je visualise mon image de calme et de sérénité sur mon écran mental. Et dans ma respiration rayonne le calme, la paix et la sérénité. J'associe mes ressources de sérénité à ma détente intérieure et à mon harmonie. Toutes mes cellules mémorisent cette détente. À partir de maintenant, j'en fais un ancrage profond en moi. Mon geste, mon mot, mon image et mon souffle de sérénité sont profondément ancré en moi. Et je sens rayonner sérénité et amour en moi et tout autour de moi dans une très belle lumière. Mon corps mémorise le calme et la sérénité et l'amour dans mes cellules. Et mon bébé en ressent les bienfaits. Et chaque cellule émet maintenant un rayonnement lumineux. Et dans le futur, à chaque fois que j'activerai mes ressources, je ressentirai aussitôt la sérénité et le bien-être, la lumière et l'harmonie que je vise en ce moment, sans même avoir à repasser par l'ensemble de la relaxation. Dans le futur, à chaque fois que j'activerai mes ressources, je ressentirai aussitôt la sérénité et le bien-être, la lumière et l'harmonie que je vis ici en ce moment, sans même avoir à repasser par l'ensemble de la relaxation. À partir de maintenant, j'en fais un ancrage profond en moi.
Ces ressources de sérénité sont mémorisées au plus profond de mon être. Mon corps mémorise le calme, la sérénité et l'amour dans toutes mes cellules. Et dans le futur, à chaque fois que je les activerai, je trouverai instantanément les sensations de sérénité et d'amour que je vis ici et maintenant. Les sensations de calme et de paix que je vis ici et maintenant, sans avoir à repasser par l'ensemble de la relaxation musculaire et mentale. Et je vois comment je vais pouvoir mettre en place une pratique quotidienne. En réactivant mes ressources de sérénité aussi souvent que je le souhaite. Je me visualise en train de les mettre en pratique, dans mon quotidien, à différents moments de la journée, le matin au réveil, plusieurs fois dans la journée, le soir, au coucher, la nuit, dans différentes positions, allongée, assise, debout, dans différents lieux, chez moi, au travail, dans une file d'attente, à la maternité, dans différentes situations. Si j'ai besoin d'être patiente, si j'ai besoin de me rassurer, de me détendre, de m'apaiser, je me vois en train de réactiver mes ressources de sérénité à chaque fois que j'en ai besoin. Et je me félicite maintenant pour ma motivation à réaliser cette pratique. Et je me vois activer mes ressources une à plusieurs fois par jour jusqu'à l'accouchement. Et puis lentement, je me prépare à effectuer ma reprise. Je reprends tout doucement contact avec mon environnement, avec mon corps allongé sur le sol, le matelas. Je retrouve mes racines de lumière et j'amplifie ma respiration pour me dynamiser par des mouvements délicats, puis de plus en plus amples, je commence à bouger mon corps. D'abord les doigts, les pieds, puis mes bras, mes jambes. Je m'étire, je me laisse bâiller largement. Et lorsque j'ouvre les yeux, c'est sur un monde que j'aborde avec la pleine conscience de ce nouvel outil que constitue mes ressources de sérénité pour moi-même et pour mon bébé.